Bonjour tout le monde et bienvenue. Nous sommes le 26 octobre. Bon, maintenant, on va savoir mon résultat pour la compétition qui vient de précéder. Bon, là, j'ai pu faire un autre combo complet, mais avec 7 combos supplémentaires, ce qui m'a permis de devancer la première place d'à peine 700 points. Nous allons voir si le boy... après compétition, il était arrangé parce que quelqu'un pour n'importe qui pour se le sélectionner, ben le jeu crachait. Donc pour le défi saison 2, nous avons quoi? Profiter 5 fois d'une accélération grâce à l'aspiration. Faites-moi 3 fois avec une carapace verte. Obtenez 5 fois la mention excellent en faisant un combo. Utilisez un ticket de point de base 3 fois. C'est sûr, je vais utiliser ça parce que si j'ai fini en première place, puis que ça n'a pas changé depuis 23h57, donc je devrais être correct. Parce que genre, 24 minutes avant minuit, c'était ça, non, excuse-moi, 26 minutes avant minuit, ben je suis parvenu à aller me chercher presque 1000 points supplémentaires après avoir fait ma vidéo un peu plus tôt. Puis quelqu'un m'avait dépassé au même moment que j'ai fait un nouveau score dans le bois vermeil SIA. Effectuer 10 minutes turbo en une seule course avec un pilote à bouc à oreille. Ok, t'as un score de 7000 sur 3 courses. Ça c'est déjà fait. Parcourir une distance totale d'au moins 20 000 mètres. Ça c'est obtenir un score total d'au moins 20 000 dans la coupe Puigi. Envoyer des pièces de l'amitié à un ami. J'ai amené jusqu'au niveau 6 avec mes 5 étiquettes de capacité de kart. Le kart biplan que j'aime beaucoup. Pour me permettre de pouvoir essayer de consolider le top 3. On voit que ça donne. Voilà. C'est ça exactement. Il restait 3 minutes avant minuit. Fait que genre, j'étais correct si j'étais toujours premier. Et voilà, j'ai la Flora Piranha. Alors, là, en l'obtenant... Puis avec l'étiquette de capacité des pilotes que j'ai, ça va tout changer lors de la compétition de cette semaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, ben, en premier lieu, faut pas oublier que genre j'ai au moins 2 courses sur 3 que j'ai au minimum un pilote de niveau 2. Puis dans la première course, ça c'est à oublier parce que la plante Piranha n'a pas... pas de ultra favori ni de favori pour le plein donut 3. Donc, qu'est-ce qui vient de la suite? Je vais vous expliquer ça après. Donc, youhou! Et comme d'habitude, j'ai toujours ça. Youpi! Et voilà le tuyau d'or. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va apparaître là? Le macarose chocolat. Oh, ben merci beaucoup. Wow! Il me reste juste un pour le niveau 6. Ah oh ben! Wow! Mais voilà, vous voyez, les scores n'avaient pas changé. C'est pris Loz qui m'a juste dépassé de 7 points. entre la nuit de lundi en mardi. J'étais là 7 points, c'est une ferie, le gars, là, Seigneur. Quelqu'un qui me bat de 7 points, mais même pas capable de s'améliorer. Qui s'améliore pas par la suite, j'étais là. Ouais. C'était un peu la même situation qu'il y avait la semaine d'avant, lorsque moi, j'avais réussi à atteindre la première place lors de la dernière journée. Et j'avais 16 points d'écart. Fait que moi, j'ai dit de consolider, si on allait chercher quelques points supplémentaires, puis j'ai aussi allé chercher environ 800 points de plus. Là, ici, j'ai comme. Là, j'ai réussi à 24 minutes, non, excusez-moi, à 26 minutes, de la fin. OK, combo complet, 206 combos, 7 de plus de ce que j'avais fait peut-être une heure avant. Et j'ai gagné presque 1000 points de plus. Et ça m'a donné une avance de 698 points. Bon, okay, le problème est réglé.
Puis comment j'ai fait 47 005? Ben j'ai eu un boomerang simple au début, en même temps que la Flora Piranha Or avait une boîte à pièces à activer. Puis j'ai eu, je pense, une trentaine de combos. Puis après ça, vers la fin du premier tour, j'ai eu une frénésie de pièces. Si j'avais eu deux autres frénésies de pièces, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'atteignais 50K si j'avais deux autres frénésies de pièces, mais ce n'est pas arrivé. Et j'ai quand même réussi un combo complet de 206 actions. De 206, oui, 206. Là, j'ai un peu paniqué parce que j'avais peur de perdre ma troisième place. Dans le fond, je me suis inquiété pour rien. Puis j'ai mis accidentellement deux petites tickets d'ailes pour la. Pour les ballons de la plante Piranha. Au niveau 5. Fait qu'il me reste un ticket d'ailes. Puis j'ai toujours mis cette ticket de pilote. Puis à qui je vais le donner? À la Flora Piranha d'or. Je vais vous expliquer bientôt pourquoi. Pour quelle raison. Parce que ça va tout changer. Ça va tout changer dans ma partie, ça c'est sûr. Là, j'ai atteint la Ligue 76, youpi. Voilà, 5 rubis supplémentaires, youpi, puis plus 300 pièces pour compléter une ligne, youpi. Et vu que j'atteins la Ligue 76, j'aborde le badge. Là, ici, ce que je vais faire, c'est concéder un top 5. Ah, je commence 7e, puis j'ai juste fait 63. J'ai juste fait 63. Les classements et les défis ont été mis à jour. Et voilà, c'est maintenant ces pistes, comme que je vous l'avais dit, qui vont être dans la 19e semaine pour la sélection en lumière. Et vous n'êtes pas sérieux. Vous me donnez l'ombrelle magique et dans la sélection en lumière. Non, vous me niaisez là. Non, mais vous me donnez carrément l'item que j'ai besoin. Que j'ai besoin en plus. Avec la plante Flora Piranha en plus de ça. Hey, c'est drôle ça là. Crème, c'est tout un bonus que vous m'offrez là. C'est tout un bonus. C'est vraiment un bonus de rêve ça. J'aurais pas dû dépenser mes tickets d'elle. Oh mon Dieu, j'aurais pu mettre ça au niveau 6. Je l'ai à 4,5. À 595 de points de bourse en plus de ça. Oh yoï. Oh yoï. Bon, ok. Aïe aïe. Parce que j'aurais pu acheter ça, amener ça directement au niveau 6. Peut-être que j'en aurai pas besoin, je le sais pas. Donc, on a tout ça. En lumière, d'accord. Ok. Bon, maintenant, on va aller dans la boutique. Donc, vous voyez, il n'y a rien d'inchangé ici. Dans la section lumière de Peach. Peach, elle a obtenu plein de donuts 3. Ainsi que la vallée fantôme 2 SI. Ah. Comme nouveau circuit ultra favori. Comme que vous pouvez voir ici. Puis elle a la problématique justement. Si j'utilise qu'elle au niveau 2, mais j'irai pas jusqu'à l'amener au niveau 6. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose d'encore mieux que ça. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Lorsque je vous ai présenté la Flora Piranha d'or, et ben, vous avez vu sur la liste que les circuits à débloquer. Et quel circuit qu'on débloque lorsque la Flora Piranha Or arrive au niveau 6? Eh bien, c'est la Vallée Fantôme 2 SIA. Et vu que j'ai réussi à l'obtenir lors de la première semaine, il me reste 8. J'ai besoin de 8 tickets de capacité de pilote. J'en ai 7. Il me reste 37 975 pièces. Fait que j'ai encore en masse de pièces pour aller me chercher un autre ticket. Les capacités de pilote
dans ma boutique de ligue. Alors moi, je le tiens à rabais, je pourrais peut-être aller chercher peut-être deux autres tickets d'elle pour réparer mon erreur. Ah, c'est cool ça. Regardez-moi ça, qu'est-ce que j'ai comme aujourd'hui en lumière, Seigneur, c'est bon ça. Pizza, Mario Sunshine, la Flora Piranha, ma cache rose, mais qui était pour la semaine d'avant. Tiens, juste pour faire une petite présentation, ok, on va aller voir Edmondy Halloween, ce serait pas quelque chose pour elle cette semaine. Non, c'était pour la semaine passée. Donc ça, c'est à oublier. Pour tour de chat. Non, il n'y a rien qui est ajouté pour ce personnage. Non, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Mais, par exemple, pour Ammonisha, même si c'est au niveau 6, ben, c'est pas elle que je vais utiliser pour le lac Bou SIA. Ça va je vais amener jusqu'au niveau 6 la Flora Piranha d'or. Oui. Ça, c'est une excellente bonne opportunité. Oui, ok, Ammonisha, je peux peut-être l'amener jusqu'au niveau 7, mais j'aime mieux avoir de meilleures options qu'une super clochette. Comme vous voyez, Lac-Bou et Sia, c'est elle que j'avais au départ pour la deuxième compétition. Mais là, vu que j'ai obtenu la Flora Piranha d'or, en terminant dans le top 3, la semaine dernière, pour la semaine dernière, ben c'est ça que ça donne. Mais en plus qu'il me donne l'ombrelle magique. Hey, vous imaginez-vous donc l'ombrelle magique qui me sert pour la deuxième course. Vous imaginez-vous donc. Même dans le bois vermestia, j'en avais pas besoin, oui. Vu que j'avais déjà le parachef d'or. Fait que ça ne servait à rien de l'utiliser. Mais pour là, ça risque d'être vraiment bon. Surtout que j'ai 100 rubis. Mais je ne crois pas que j'aurais besoin de le faire. Je vais m'arranger autrement. Ok, la chandelle gâteau, il est là. J'ai ça, puis ça comme Kurt. Comme elle. Ah, lui aussi, il y a la boue ici. Là. Ok, bon, good. Pour ceux-là qui l'ont, cette aile-là, ça va bien leur servir. Mais il me semble que ça, c'est pour le plein de donuts 3, ça se pourrait-tu? Non. Il y a le lac boue. Ok. Puis lui, c'est quoi cette aile-là? C'est l'aile araignée. Ok, l'aile araignée, est-ce quelque chose de... Juste maison de l'aube, ok. Juste maison de l'aube. Maison de l'aube, ok. Nice. Ça, c'est comme d'habitude. Oh, j'ai le... Ok, j'ai Birdo, ok. Ah, il manque au foutu d'étiquette d'aile. Donc, ça fait troisième semaine de suite qu'il me donne deux fois l'étiquette d'elle que... Donc, deux semaines de suite que j'en achète même pas deux. En fait, non, ça fait trois fois que j'en achète pas deux. Hey, je suis là. Hey, crime. Mais c'est quand est-ce que vous allez au moins me donner la chance d'avoir au moins deux étiquettes de pilote? J'aimerais ça en avoir deux étiquettes de pilote. Pourquoi vous donnez l'étiquette d'elle? J'ai déjà en match de... J'ai déjà un match d'options d'elle, ok, qui est au moins au niveau 4. Tandis que pour les pilotes, ok, j'en ai peut-être au niveau 5, 6, 7, mais c'est pas tous qui sont au niveau 5, 6, 7 déjà là. Que parmi les options que j'ai pour la course numéro 1 puis 3, c'est genre niveau 2, niveau 3, là, pas plus que ça. Puis après ça, que pour les cases, c'est niveau 3. Pour la pleine donut 3, oui, la pleine donut 3, oui, c'est ça. Ouais, puis mon aile qui est le meilleur, c'est niveau 4. Mais quand que je vois l'ombrelle magique, là... Coudonc, ils m'ont mis l'ombrelle magique. S'ils m'ont mis ça, c'est un peu trop d'argent, mais je pense pas que je vais nécessairement l'améliorer. Mais oui, je vais l'améliorer sûrement, mais... Est-ce que je vais l'améliorer avec mon ticket qui me reste d'elle? Ou bien... Peut-être que si je peux obtenir ça à rabais durant la semaine... Je pense pas que ça va arriver là, même si j'en ai 20. Qu'est-ce qui va arriver? On sait pas, ça va être du hasard. Ah, là, j'ai un ticket de pilote, puis ici, j'ai un kart ici. Qui m'est apparu. Le cabriolet qui me sert carrément à rien. Ça, on s'entend là-dessus.
Mais ici, ticket de pilote, allez go, je m'en vais le chercher. Let's go, un petit 100$ là-dessus. C'est toujours bien d'avoir l'étiquette de points. L'étiquette de points, ça sert toujours à quelque chose. L'étiquette de j'en ai toujours en masse, puis des cartes. Mais des pilotes, j'en manque souvent parce qu'en cause que j'améliore tout le temps, soit quelqu'un dans le standard, ou soit quelqu'un dans le rare, ben dans le ultra rare, pour essayer d'augmenter ses points de boss au maximum. Puis je l'ai fait pour Wendy dès au moment que la mécanique a changé. Donc j'ai encore deux tickets ultra rare d'elle pour une troisième semaine de suite. Hey, ça fait pas deux, ça fait trois semaines de suite. Mais j'aimerais plus avoir des tickets de pilote que ça. Parce que j'en ai quand même en masse acheté de ça. L'étiquette de capsule de carte ultra rare et d'elle ultra rare. Ok, les autres c'est des capacités d'elle, des capacités de carte. J'en ai toujours souvent acheté plus que des pilotes. Mais là j'ai plus besoin de pilotes que de carte que d'elle. Parce que j'ai deux options de carte au niveau 7. J'en ai peut-être, je pense, 6. J'en ai peut-être 4 au niveau 6. Avec le carte biplan. Le Bulldo Turbo. Aussi, il y a le bulldozer, je l'ai au niveau 6. Il me semble que j'en avais deux autres, mais je ne me rappelle plus c'est lesquels. Non, je ne me rappelle plus. En tout cas, j'ai plein d'options de cartes d'Eldo au minimum niveau 4, même 5. Là. Oui, j'ai peut-être quelques options aussi au niveau 5 de pilote ultra rare, mais. Mais c'est pas suffisant. Vu que là, c'est Peach, que pour moi, qui est l'élément vedette de ma semaine, mais ça sera pas elle. Ça sera pas elle, ça va être rendu là. Ça va être rendu la Flora Piranha d'or. Bon. Là, ce que je vais faire ici, pour le moment, j'amène la plante Flora au niveau 5. Ici. Pour les points, je vais prendre le temps d'accumuler 800 points de base. Puis ensuite, ouais, go l'étiquette de limite de points de pilote. 1190 de points de base, j'en ai 7 tickets. Souvenez-vous que hier, j'ai obtenu 2 tickets de limite de points de pilote. Il m'en fallait seulement qu'un pour que je puisse amener Flora Piranha à 1190 de points de base. Il m'en faut 6. Ah ouais, go la plante Flora Piranha. Tigido, pouf. Et de 1. Et de 2. Et voilà, bateau volant puis héros d'arc-en-ciel quand même. Pas payé pendant tout. Attention, et de 2. Ça, ça va être un personnage pas mal convoité pour la plupart des joueurs. J'espère que la Flora Piranha Or va être beaucoup en compétition comme le Bulldozer. Le Bulldozer, c'est fou. Crime, il y a chaque semaine. Mais il est presque là à chaque semaine. Au moins une semaine sur deux, là. Tu sais, je suis là. Il y a une chance que j'ai réussi à faire mieux que les autres. Parce que si j'avais pas d'option de Flora Boomerang, moi j'étais fait, là. Donc, attends une minute. J'ai bien fait mon calcul. 1, 2, 4, 6. Ah, il m'en faut 9. Ah, il m'en faut 9, j'en ai pas assez. Je pensais que c'était 8, c'est 9 qu'il me faut. On va pas débloquer Valley Fantôme 2 SIA. Il me faudrait un autre ticket de pilote qu'il faudrait que j'obtienne. J'ai 35 000 pièces, fait que genre, il me faudrait un autre ticket de pilote que j'obtiens par chance. Faudrait que je sois chanceux d'obtenir un ticket de... Faudrait que je sois chanceux d'obtenir un ticket de capacité de pilote. Ultra rare pour que je puisse amener ma plante flora au niveau 6.
Il manque juste ça. Dans la boutique du jour. Mais là, ça n'a pas donné aujourd'hui, c'est un code qui est apparu. Mais dimanche, ben c'est ça qui est apparu. J'avais 25 tickets presto. Je l'ai utilisé. Et c'est un ticket. Il y a un ticket de capacité de pilote ultra rare qui est apparu. Bon, maintenant que ça c'est fait. Ok, on va s'en aller ici. Valet Fantôme 2 ici. Ah. Regardez qu'est-ce qui va apparaître ici. Au niveau 6, je débloque le circuit 2 SIA pour la plante, pour la flora piranha d'or. Il manque juste un ticket de pilote. J'ai déjà celui-là de ligne. Dommage qu'il m'en ait pas donné deux. Je m'en fous des tickets d'aide pour le moment. Là. C'est pas ça qui est important vu que j'ai au moins en moyenne un minimum de niveau 4 pour les ailes pour ces trois circuits-là. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. J'en ai un de. J'ai trois autos de niveau 6 pour le. Pour la Valet Fantôme 2 SIA pour les ailes. Quand même, 3 fois des 6, là, ça y est, c'est rare, ça, je trouve. Quand même, c'est des bonnes options, là. Puis le reste, c'est niveau 4, fait que... Bon, allez voir, c'est quoi, là, c'est par curiosité. Oh boy! Avez-vous ça? Juste 80 000. Ok, d'accord. Oh boy, aïe aïe. Non. Je te le dis, avec ces options-là, attends, on va aller voir les options quand même des joueurs. Si on juste ces options-là, et boy, moi, je domine la compétition de cette semaine, c'est sûr. Mais je vais dominer encore plus si j'obtiens un autre ticket de pilote. Un capsule de pilote ultra rare dans la boutique du jour à rabais. Imaginez, il m'en manque juste un pour me l'amener au niveau 6, la Flora Piranha, puis je débloque le Valet Fantôme de ICA pour lui. Puis là, ça va carrément changer. Ça va tout changer, c'est sûr. Je vais péter un score de 30 000, ça c'est sûr. Si ça l'arrive, j'ai encore du temps, il me reste encore la semaine au complet. Fait que. Ok, niveau 8, 7, 7. Ok, niveau 3, niveau 7. Ok, 5, 5, 5, 4, 4, 1. Ouais, ok. Ammonisha, niveau 3, ok. C'est pas payé pendant tout ça. Ok. Niveau 4, ça. Ok, pas de la robe thaïlandaise, mais qui sert pour le 3 SIA. Puis moi, j'ai juste une option pour la pleine d'onite 3 SIA. Imaginez-vous donc. Savez-vous, c'est lequel? C'est la fermière. C'est la fermière que j'ai au niveau 1. Mais oui, Daisy fermière au niveau 1. La seule option que j'ai, une chance qui n'était pas dans la compétition parce que et ben, j'aurais rushé. J'avais juste ça comme option. Mais par contre, j'avais un code de niveau 4, puis j'avais ben, mon ombrelle scintillante au niveau 7. Fait que ça s'équilibrait pour 25K, là. C'est pour ça que je vous dis, des fois, des pilotes, ben, il faut que je les améliore. Ah, la personne n'a pas tenu la plante flora... La plante de... Non, pas la plante, excuse-moi. La flora piranha d'or, il l'a pas tenu. Le nid bulldozer, oh, phew, une chance. Ok, bazar squelette pour la Valet Fantôme 2 SIA, niveau 2. Ok, pas trop pire. Est-ce que... Non, il l'a pas acheté lors de la dernière saison Citadin. Non, il l'a pas acheté le mi-chef. Ok. D'accord. Fait que ça augure bien, ça. Ça augure vraiment bien, ça. Oh, Dr. Luigi, ok. C'est clair que je suis correct. C'est clair. C'est parce que couler sur le béton, ça là, ça y est, cette compétition cette semaine, ça y est, ça va être couler dans le béton, là.
Peach au niveau 3, ok, d'accord. Non, ok, il n'y avait pas tellement de vilaine dedans, mais comme il y a quand même des robes talandaises, mais dommage que. Une chance que moi, pour moi, c'est bon, mais pas pour lui. Ça y est, lui, ça aurait été bon pour lui, ça, sérieux, il y a plein de donuts. 3 SIA, là. Il aurait carrément fracassé des records avec des robes talandaises parce qu'elle est là-dedans. Puis moi, j'ai juste la fermière au niveau 1. Il y avait, je pense, le Luigi Chef, je crois, d'après moi, dans la liste. Oh boy, ok, il y a niveau 5 avec le Buzzer Squelette. Ok. Ah, il y a quand même un Bulldozer niveau 6 qui sert à rien cette semaine. Mais moi l'avantage, moi, c'est que j'ai la plante. Il n'y a personne qui l'a. Oui, oui. Il n'y a personne qui a la Flora Piranha d'or. Il n'y a personne qui l'a. Oui, oui. Ah, Michel, quand même au niveau 1, mais moi, je l'ai au niveau 3. Bon, ok. D'accord. Quand même un score de 51 140 là, pour comme meilleur score, c'est super bon. Non, lui non plus, il l'a pas. Ok. Michef non plus. Il l'a pas acheté non plus. Depuis le temps. Ok. Ah, il n'y avait même pas la Flora Piranha non plus. Ok. Donc tout le monde va se battre pour ça. Sauf que moi, ça va être, je vais être chanceux, hein, je pourrais pouvoir peut-être l'obtenir une deuxième fois. Puis là, il va être level up 6. Oh! Oi, oi! Oi, oi! Attends, quoi? Oh! Pas Mario World, moi non plus, je l'ai pas. Luigi Chef non plus, je m'en suis pas préoccupé. Bon. Ok. Mais quand même, Europe Thalandaise, ok. Non, pas d'Harmonisha, ok. Ok, d'accord, ok. Ça veut dire que là, les options, quand même, sont assez limitées pour ces joueurs-là. Mais moi aussi, c'est pareil, sauf pour la deuxième course. La deuxième course, là, moi, je devrais être assez correct. Donc, ça. Ouais. Deux minutes, là. Ok. Pourquoi la ligue la plus élevée, c'est 65, alors que je suis avec 76, c'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi que je suis avec un gars de ligue 65? Je me demande. Moi, j'étais à 76. Lui, 65. 65, crime, c'est 11 de moins, là. C'est clair qu'il n'y a aucune chance, là. Quand même, pige au niveau 5, ça va lui servir beaucoup. Amonissa, non. Ok. Oh boy, il y a pas mal de personnages qu'il n'y a pas, là. Pas Buzzer Squelette non plus. Ok. Mais quand même, le roi Boom, Luigi Mason au niveau 3, c'est quand même pas si pire que ça. Je pense qu'il sert pour le lac Boo, je crois. Mais il y a une meilleure option que ça pour ça, je pense. Non, il n'y a même pas le Buzzer Squelette. Ok. Dans le fond, il n'y a personne qui l'a. Il n'y a personne qui l'a à part moi. Oh, ok. Dans le fond, Seigneur, j'ai. Je suis bien placé, moi, là. Attends, y'en a-tu d'autres qui ont la plante, la plante, et qui ont reçu la plante? Ben non! Crime, Seigneur, cette semaine, Seigneur, je suis avec un groupe qui ont même pas encore la Flora Piranha. Il y a juste moi qui l'a. Le monde va capoter. Le monde va capoter quand ils vont voir genre, qu'il a mis ça au niveau 5. Ils vont tout capoter, là. Le monde va paniquer. Oui, oui. Ah, ben, coudonc, il n'y a personne qui l'a. Dans ce gang-là, il n'y a personne qui l'a. Je vais tout checker ça. Je vais tout vérifier ça comme il faut. Ligue 68. Tu sais, regardez ça. C'est toutes des ligues genre, qui sont en bas 70. Moi, je suis la ligue plus élevée 76. Je suis à la ligue 76. Puis il y en a qui s'est marqué ligue plus élevée 68. Bon, j'imagine que personne, parmi toute cette gang-là, il n'y a personne qui l'a. Il n'y a personne qui a la Flora Piranha. Il y a juste moi qui l'a dans ce groupe-là. Wow! Hey, vous imaginez-vous donc, comment c'est une bonne nouvelle pour moi? Hey, wow! Wow, je suis le seul dans le groupe qui l'a. Oi, oi. Ah, lui, c'est l'élite 73. Lui, ça va être quand même pas mal bon, là. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Oh là! Ben, même niveau 2, ok.
Pour Peach sorcière, d'accord. Même pas d'harmonie chat. Oh oui, oui. Ok, ouch. Ouais. Il y a quand même Bulldozer, mais qui sert à rien cette semaine, malheureusement. Y a-tu Michef? Non, même pas. Oh yoy, ok. Ils vont sûrement utiliser des rares là-dessus. Ok, personne qui a la plante Flora. On va faire tout le tour. On va faire tout le tour. Encore les 73 ici. Hey, sérieux, je te dis, quand le monde va taper le nom de Kevin, ils vont voir la liste des plats, ils vont voir que j'ai de la Flora Piranha. Ils vont dire, oh esprit, on y est fait à l'os. Hey, crème, j'en reviens pas. J'en reviens pas, je suis le seul du groupe qui a la Flora Piranha d'or. Oh, yoï. Mais oui, regardez ça. Il n'y a personne qui l'a. Ça, c'est des bottes. C'est Young, c'est Jean, puis Guillermo, ça c'est des. Ça c'est clair que c'est des bottes. Oh, attendez une minute là. Lui, il est à l'aigle 65. Ou quand même, ça, il doit avoir des bonnes options, lui là. Quand je vois 7-7-7-8, j'ai l'impression que j'ai eu besoin de squelette, c'est pas là-dessus. Oh non, il n'y a même pas le Peach non plus. Oh, ok. Oh, il en manque pas mal d'options, lui là. Ouch! Ah, il y a tout de même le roi bout, lui, du maison niveau 1 au moins. C'est déjà pas si pire que ça. Buzzer squelette niveau 1. Aïe aïe. Ok. Non, lui non plus, il ne l'a pas. Je vais faire toute la liste. Moi, je suis curieux de savoir s'ils ont au moins une personne dans le groupe qui a au moins la Flora Piranha or, comme moi. Oh, quand même, il y a quand même des bons. Oh boy, regardez-moi ça, il y a niveau 7, lui, là. Avec Peach. Oh là 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 là. Ok, niveau 6. 5. Oh, ok, niveau 3 pour Harmonisha, pour le lac Boessia, c'est bien. C'est super bien, ça. Niveau 3 pour l'autre, ok. Ok, il y a même pas ça, squelette niveau 4. Pas si mal, là. Okay, quand même, il y a des bonnes options, ce joueur-là. Ce joueur-là, il va avoir des bonnes options. Ah oui, même s'il n'a pas joué encore, il y a encore. Mais il n'y a pas la plante, il n'y a pas la fleur piranha non plus. Il vient d'aller, ça allait le plus élevé, 68. 53 424 comme meilleur score, c'est très bon. Mais je te dis, il y a quand même des bonnes options. Il pourrait être dans le top 3. Il pourrait être dans le top 3. Bon. OK. Puis lui ici. Qu'est-ce qu'il a comme option? Oh, attendez une minute. OK. Il est le plus élevé, 67. OK. Y a-tu des bonnes options, ce joueur-là? Niveau 4. Non, même pas. Ok. Il n'y a pas Peach sorcière. Ouch. Ok. Quand même des bonnes gestions ici qu'il n'y a pas. Oh, bah, il n'y a même pas amené ça. Ouch. Ok. Il y a quand même le bout du maison de niveau 1. Non, pas le buzzer squelette non plus. Mais par contre, il y a le Waluigi par contre. Par contre, il y a le Waluigi au moins. Il y a le Waluigi puis il y a le Luigi Mansion pour la deuxième course, en tout cas. C'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. Pas juste que là, je l'ai pour l'autre, Valet Fantôme 2 ici. Là. Non, lui non plus, il l'a pas. Ok. Bon, maintenant la suite. Il allait plus servir 65. Non, il l'a pas non plus. Non, il l'a pas non plus. Ben non. Donc ça veut dire que toute cette gang. Ça veut dire que les 16 joueurs qui sont dans mon groupe. Parce qu'il y a toujours 3 bots. Par 20 groupes. On compte 17 joueurs qui jouent dans le groupe de 20. Il n'y a aucun de ceux-là qui a la flamme. Il y a la Flora Piranha d'or. Il n'y a aucun des 16 joueurs avec qui que je suis jumelé qui l'a. C'est pour ça que je suis bien placé. Puis si j'obtiens un ticket, il manque juste un ticket à aller chercher dans la boutique du jour. Si j'en obtiens un
à rabais. Un ticket de capacité de pilote. Là, je vais avoir une avance très confortable. Je vais avoir une avance très, très confortable. Vu que je vais débloquer la piste comme ultra favori pour le Flora Piranha d'Or, le Valet Phantom 2 et SIA. Comme vous avez vu tantôt. C'est pour ça que je voulais vous mettre ça en évidence. Pour que ça apparaisse sur votre écran. Pour que ça apparaisse sur mon écran, vous dites. Pour que ça apparaisse pour vous. Non, lui non plus, il l'a pas. OK. Donc là, il en reste un. Ça, c'est un bot. D'accord. OK. Ah oui, c'est un bot. Christina, c'est un bot. OK. Et quatre bots, ça veut dire au total? Guillermo. Comme j'avais dit, c'est un bot. Ça, c'est un bot. Vu qu'on peut pas aller voir les informations. Lui aussi, c'est un bot. Bon, il y a quatre bots en ce moment. OK. Quatre bots. Bon, eh bien, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle pour moi. Hey, vous imaginez-vous donc, je suis le seul de mon groupe pour la Ligue 76. La Flora Piranha d'Or, je suis le seul à l'avoir. Oui, oui. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, je vais aller jouer... le défi du jour dans DS Maison de l'eau avec le Wabou le du Maison. En plus avec la vampiride. Oh ben coudon. Que j'ai obtenu en plus. Eh ben. Vampiride rouge. Oups, excuse-moi, j'ai un peu. J'étais pas alerte tantôt là. Oups. Bon, trois bouts contre trois bouts. Yes, joli. En plus, avec combo complet. Il dit que j'en ai pas fait gros de combo. Je savais même pas que j'allais faire combo complet. En plus de ça, sans frénésie. Ben voyons donc. Puis lors de mon premier essai sur cette arène, ok, j'utilise ce ça avec le kart, le turbo Birdon noir et mon El Griffou niveau 6, là, je crois. Combo complet, 108 actions. J'en ai fait 42. Ok, 42 avec ça, avec lui. J'ai bien joué vu que la partie s'est terminée en moins de 90 secondes. C'est plutôt pas mal quand même, combo complet avec un niveau 1, niveau 1 et niveau 6. Ouais, c'est ça, c'était ça, c'était mon aile qui était là. Bon, qu'est-ce que j'ai obtenu aujourd'hui? Oh, Topi tombe, et voilà niveau 4. C'est la première fois que je l'obtiens de cette façon-là. Faites-moi trois fois avec une carapace verte. Si vous voulez que je sois honnête envers vous, cette semaine-là, je te dis, pour moi, ça va être sûrement ma meilleure semaine
de la saison parce que, écoutez, je vais sûrement dominer la compétition. C'est presque sûr. Presque sûr. Presque sûr. Bon, ben, tout le monde, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à une prochaine fois.